5 Kilo Foxtrot Echo Niner Niner 1. Informbo on initial contact, you have copied the mic. Allez, vas-y, je t'ai modifié le truc, tu lui donnes le même message que je t'ai donné. Hein. Ah ouais. Donc c'est bon, sol. Là-dessus, là ? Ouais. Bon sol, Fox November Zulu, bonsoir. November Zulu, bonsoir. Fox of Hotel, November Zulu, un Cessna 152 au parking sud, deux personnes à bord, prêts à rouler pour des tours de piste avec info mic. Reçu, Fox North Zulu transpondeur 12-17, roulez point d'arrêt alpha unité et rappelez près sur la tour 118 décimales unité. Fox North Zulu affichant 12-17 au transpondeur, roulons point d'arrêt piste 34, via alpha unité. C'est correct, alpha unité pour la piste 16. Ouais, pardon, 16 alors. Ouais, 16, pardon. Allez, 16, on y va, c'est parti. Allez. On va un peu loin là. Ouais, je sais pas. Commence un peu quand même. Voilà. Mais doucement, doucement. Bien, bien. Par où ? À gauche. Ouais. Je les ai vus décoller les mecs. Ah donc j'avais raison du coup. Ouais ouais ouais. Regarde ta manette des gaz. Bah réduit légèrement, tu vois, c'est évitant que tu freines. Réduit, réduit, encore, encore. Bah t'en freines. Encore. Fox Alpha Delta numéro 1, rappelé courte finale 16. Alpha Delta, je rappelle, courte finale 16. Delta autorisé atterrissage piste 16 en 120 degrés 4 nœuds. Autorisé atterrissage de Alpha Delta. Je suis un 55 à l'épaisse matin. 655, stand-up is approved, un report ready to taxi. Stand-up is approved, un report ready to taxi, je suis un 655. Tu les tiens? Doucement, sauvage. Pression, température. C'est tout dans le vert? Tout est dans le vert, ouais. Ok, allez, on monte la puissance à 1700 tours. La puissance, oui. Ok, et ça magnéto? La pression, température, c'est touchable. 1, 2, cran à gauche. Monte bien tes crans. Hein. Ok, reviens sur les deux. Un seul cran. Bon, la perte est correcte, pas d'écart. On revient sur les deux. On revient, on réchauffe sans objet, pas longtemps, juste pour voir. Voilà, on revient. Là, comme il fait chaud, on risque d'encrasser. On réduit. Ah, du tout.
temps de voler, ouais, il y a un petit peu trop là, tu vois. Surtout avec la température qu'il fait, autant qu'on prenne de la vitesse, ça ira aussi bien. Qu'est-ce que tu fais? Je m'attache. Avec Alpha Delta, oui, Alpha 3, roulez au parc et quittez en arrivant, bonne soirée. Je roule au parc, je quitte en arrivant, au revoir, merci. Sur 118-10, hein, c'est donc c'est la tour, il t'a dit de rappeler près. Donc on est alpha unité, hein, ça s'appelle. Ouais. Alors le message est simple, Fox 91. Alpha unité, prêt. D'accord. Six and frequency with approach when advised 133 decimal 150. Non, attends qu'il collationne. Alpha 2 Tango from runway 216, initial climb 3050.015, scope 6766 and 133.150 when instructed. CMA 6FS. That's correct, report ready to taxi. CMA 6FS. Bonjour Fox November Zulu, point d'arrêt Alpha Unité. Foxnormzulu, rebonjour depuis Alpha Unité, alignez-vous piste 16, autorisé décollage, vent 160 degrés, signe, rappelez vent arrière. Foxnormzulu, nous alignons piste 16, autorisé décollage. Et il t'a dit, je rappelle en vent arrière. Oui. Donc c'est un décollage normal, vitesse de rotation à 55 nœuds, montée, on va monter 70-80 nœuds, jusqu'à 1200 pieds. À 1200 pieds, ça sera un virage à gauche à faible inclinaison. Pendu à toute la piste, hein, ouais, c'est très bien. Ouais. Allez. On monte à 1500 pieds et on réduit à 2100 tours pour l'avant arrière. En cas de panne mineure ou majeure avant le décollage, allez, vas-y. On arrêtera le décollage, 4 mineurs après, on fera un tour fixe dans tous les cas, et pas de majeur, je prends les commandes. Ouais. Allez, tiens-toi les commandes pour l'instant. Garde ta manette des gaz. Ouais. Pression, température, c'est correct. Le badin est actif à 55 nœuds, à la rotation. Garde ton pied léger droit, et tu corriges avec ton manche à piquer. Pas trop, exagère pas. Reviens là, à piquer, en avant. Voilà, en avant, encore. C'est ma 655, je vais taxi. 655, taxi holding point Alpha 1, and report ready on 118 decimal 1. Taxi to Alpha 1 and re-report on bomb 181 ready. C'est ma 685. Vas-y, maintenant corrige, là t'es 85, essaye de monter à 75, donc 2 cm à cabri. Corrige 2 cm. La valeur de doigts à peu près. Corrige de doigts. D'accord, oui. Voilà, moi je peux. Là, il faut que tu remettes un peu de pied droit. Un petit peu. Ouais, pas trop. Voilà, c'est bon. Bon. Et attention, avec ça, tu génères du coup cabre hein, quand tu utilises ton palonnier. Hein. Ouais. Ok, 1100 pieds. Écliste après décollage. La vitesse dans l'arc vert, enfin dans l'arc blanc toujours, enfin c'est bon. Les pressions température, c'est correct. C'est bon, c'est dans le vert. Volé à zéro. 1200 pieds. On revient à 89. Mise en virage à gauche. 20 degrés. Pied manche. Allez, ouais, ouais, plus de manche, moins de pied. Hop, bouge plus. Bouge plus. Enlève ton pied. Laisse pas ton pied à gauche. Ouais, je l'ai enlevé là. Voilà, tu vois, regarde, tu surveilles ta bille, qu'elles sont bien centrées. Donc tu pousses la bille avec ton pied. Ok. Ah, c'est l'équilibre. Allez, on remonte parallèle. Et il va monter, voilà, tranquillement. Allez, on y est. Et manche, en sortie. Heureusement, toujours. Voilà, 1500 paliers. Réduction, 2000 tours. On va mettre 2000, on verra. C'est un pré-affichage.
Voilà. Reviens légèrement à piquer. Regarde ta trajectoire, elle est en train de resserrer sur ton axe. Donc tu vas dégager légèrement à la droite. Voilà. Il manque un peu de puissance, tu vois, il fait chaud, vas-y. Oh non, on a un peu de vitesse, ouais, bon, c'est pas grave. Allez, check ils sont arrière, l'arc blanc. Là, on tourne déjà. Allez, on va la chercher. Garde ton pied droit, tu vois, quand ça commence à chahuter comme ça. Voilà. On voit très bien qu'on se fait ramener, tu vois, il doit avoir un petit peu de vent de travers là. Allez, on les repart, on y va. Regarde-toi, ta trajectoire, regarde ta trajectoire. Dégage à droite. C'est trop serré. Voilà, accompagne avec ton pied. Voilà. On va aller virer sur le canal, ça nous laissera un peu de marge. Vas-y, on revient. Assiette, puissance. Allez, réduit. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Assiette piquée, réduction. Assiette et réduction à 1400. Allez, allez. Et on y va, on enchaîne le virage dans la foulée. Laisse-le descendre. Maintenir ta vitesse. Voilà. Stabilise-le. Très bien. Doucement. Ne serre pas. Ne serre pas. Ne serre pas. Tant pis. Regarde, regarde ta trajectoire. Regarde. Vas-y, commence à desserrer progressivement. Oui. Allez, on va attendre l'arc blanc. 5, identified. Contact your departure 133.150. Allez. Allez. Et on raccroche la puissance. 1718 sur tour. On y va, on descend. Allez, on vise le poulot. Le peigne. J'ai le réveil difficile, moi, en fin d'après-midi. Hein. Allez, ta vitesse, elle y est pas. Ta vitesse, ta puissance, on l'accroche. Bouge pas ton manche. Il pousse avec ton pied en douceur. Non, je vais te montrer après. Donc, pour l'instant, tu m'en fais deux comme ça. Et tu dis que t'es en finale. Oui, c'est vraiment solo en finale. Reçu, novembre Zulu, poursuivi, je vous rappelle. On poursuit. Novembre Zulu, on poursuit. Allez, accroche ta vitesse s'il faut. N'hésite pas à revenir à piquer surtout. Reviens à piquer. Encore. Et là, en réduction en même temps. Sinon, tu vas emballer la vitesse. Allez, réduis, 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 réduis. Non, tu dois avoir 1700 tours dans les conditions normales. Contenir 65 nœuds, et là, tu vois, on est obligé d'avoir 70 avec les... Novembre Zulu, autorisé à toucher piste 16, devant 150 degrés, 4 nœuds. Autorisé à toucher piste 16. Allez, c'est parfait. Continue. Continue. Alors, regarde, on voit que les choses se modifient. Rajoute un peu de puissance. Et laisse ton nez appliquer surtout. Laisse ton nez appliquer. Reviens simplement comme ça. Tac. Continue. Réduis maintenant. Réduis, réduis, réduis. Oui. Reviens appliquer. Garde appliqué. Garde ta descente. Voilà. Allons bien au plancher. On est prêt à l'atterrissage. Allez, on y va. Continue à descendre. Regarde le bout de piste. T'es un petit peu haut pour l'arrondi. Hein. Allez, vas-y, là. Encore. Encore, encore, tire. Encore. Encore, 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 encore. Parfait. Et voilà, 0. 10, ouais. Allez, pleine puissance, pied droit. Voilà, ton pied. Alors, essaye de bouger un peu moins ton manche, d'accord? Ouais.
ralentis la droite légèrement en appui, voilà, léger. Et là, tu travailles avec ton manche. Tout en douceur. Il y a du monde à la station encore ? Ouais, il y a moins de monde, bah ça va, je dirais. Alors, c'était plein, je peux plus prendre l'essence, dis. Là, c'est pratique, n'empêche l'avion, au moins tu vois. Ouais. Doucement, voilà, tout en douceur. Moins tu bouges, moins ça bouge. Ok, check les 5 fois décollage. Les vitesses, les vols, les paramètres moteurs, tout est ok. Les vols à zéro. Allez, 20 degrés, on y va tranquillement. Et manche. Moins de manche. Moins de pieds, putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Stabilise l'inclinaison. Ça n'augmente pas. Ça n'augmente pas. Ça n'augmente pas. Continue ta montée. T'as trop serré, t'as trop serré. Allez. Ne serre pas. Ah merde. On monte. Allez, on grimpe. Regarde, t'es à 109. Vaut mieux que tu sois un peu au-dessus de ton altitude que légèrement en dessous. Ouais, ok. C'est une histoire de sécurité. Regarde ta trajectoire. Bah, corrige maintenant légèrement. Zulu, numéro 1, rappelez courte finale 16. Zulu numéro 1, rappel encore final 16. Bah, dégage légèrement à droite. On vient légèrement à piquer maintenant. Allez, vas-y, prends ton assiette de palier avec la réduction, on y va. Ok. Vitesse 90. Paramètres moteur, c'est tout dans le vert. Pourquoi tu me tires ce pied à gauche? Fais du pied à droite. Remettre la puissance, 2100 tours. Voilà, 50 volets. Assiette piquée. Maintenant pour contrer, tu vois l'effet de couple des volets et tu réajustes s'il y a besoin au niveau vitesse, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ah regarde, tu te fais embarquer à gauche. Allez, mets ton pied à droite, mets du pied et va mettre ton manche. On doit avoir du vent, hein, c'est pour ça hein, que tu te fais chier. Hein. Hop. Voilà. Oui. Ouais. Tu regardes où Thomas? Ah, là-bas. Devant toi, hein, ouais. Au milieu, hein. Prends la vis du milieu, les deux vis du milieu, hein. Non, non. Celle qui est complètement à gauche, hein. Ouais. D'accord, hein. Allez, on y va, assiette piquée réduction. Assiette piquée d'abord. Allez, lui. Allez, pique. Allez, rentre dans ton virage. Allez, on y va. Incline, stabilise. Mets un peu plus de 20 à ce moment-là. Tac, voilà. Maintiens-le, ça. Allez, non, maintiens ton inclinaison. Voilà. Bon, il ne bouge plus. Priorité vitesse. Bonsoir, continue. Garde-les, tu vois, c'est bien. Sierra Romeo, bonsoir, preneur d'une longue finale piste 16. Non, regarde ta piste. Preneur, et là, tu vas t'aligner tranquillement sur le reste. Rappelé, établi longue finale piste 16, passant le Rhône. Rappel établi, passant le Rhône, devant Sierra Romeo. On peut établir une directe, là? Oui, c'est approuvé, de votre position. Sierra Romeo. Fox Nord Zulu autorisé toucher piste 16, vent 180 degrés, 5 nœuds, rappelez vent arrière. Fox Nord Zulu autorisé toucher piste 16. Tous les volets, tout de suite, allez, tant qu'on est dans le cube blanc, on y va. Et on descend. Là, il y a un petit peu trop de puissance, tu peux en enlever. Corrige, là tu vois, tu es sur le plan, regarde. Ton vario, tu vois, regarde, t'es dans 22, 100 en vent, il faut corriger 1 cm de plus. Bouge plus. Léger pied droit, manche contrée. Allez, continue à stabiliser tout ça. Laisse ton pied en appui. Et reviens à piquer surtout. Écoute les bruits qui se modifient. Ouais, il y a un piqué. Voilà. Là, juste un peu de puissance s'il faut, si tu sens que ça va pas. Non, mais attention, regarde le nez qui est remonté. Allez, continue. Mets ton arrondi plus bas. Ah, 737, ça.
Voilà, là c'est parfait. Allez, on y va. Même sur qui descend, tu le tiens le nez en l'air, jamais en avant. Hein. Allez, ton pied. Merde. Merde. Hein ouais. On peut le reprendre. Allez, touche plus aux commandes. Moi je me manche. T'es prêt? Ouais. Avec tes pieds, ta puissance et ton compensateur. Allez. Touche pas à ton manche. Vas-y, compense à cabrer. Doucement, parce qu'il va falloir que tu reviennes dans l'autre sens. Voilà, reviens. Reviens en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Voilà avec ton pied. T'as cabré. Voilà, encore, 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 encore. Bouge plus. Laisse-le faire, stabilise-le. Voilà, c'est ça. Très bien. Reviens. Voilà, c'est très très bien le pied. Voilà, tu vois, regarde. Mais t'as vu, t'as presque moins de mouvement que quand tu touches le manche. Ouais. Hein? Laisse pas faire. Allez, reviens. Encore piquer, piquer, piquer. Ouais, je sais pas. C'est pas au prion ce qu'on est en train de faire, je te le dis tout de suite. Et ça permet de voir ton travail au palonnier, tu vois. Ouais. Voilà, là, regarde, on a poussé gauche, reviens pied droit. Regarde comment il évolue ton nez. Voilà. Voilà. Alors là, si tu rentres tes volets, à ton avis, ça, il va se passer quoi? Ouais, je mets du compensateur. Ouais, du compensateur à cabri. Ouais, très bien le pied. Laisse-le attendre, t'as... tu vois, il faut l'attendre. Voilà, et vas-y, rentre tes volets. T'as vu? Ouais. Salut, bon, écrayant qui monte. Allez, on vient sur la gauche. Bonsoir, preneur d'une longue finale piste 16. Doucement, 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 non, touche pas. Excellent, qui rappelait établi, passant le Rhône. Ok, on rappellera établi, passant le Rhône, on sort dans le Rhône Alpha, excellent qui. Il faut le stabiliser. Remets ton pied à droite. Voilà, tu vois, regarde. Et on a l'impression que personne pilote. Mais en fait, si, tout le contrôle, il vient avec ton palonnier. Ouais. C'est Yankee pour le Raptor Alpha, X-Ray Yankee. X-Ray Yankee, c'est approuvé, vous pouvez rappeler établi direct longue finale piste 16, passant le Rhône. Ça marche, merci X-Ray Yankee. Et commence à sortir avec ton pied droit. Vraiment tout en douceur, tu vois. Voilà, on arrive à l'altitude. Alors attends, là, 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 là. Non, mais on est non, établi là, en finale on s'arrête de son mais on va passer le Rhône. Fais-toi 2000, piste 16, en 200 degrés, 7 nœuds. Mais c'est obligé. Remets ton pied à droite, pied droit, et à cabré, on y va, pied gauche, on corrige, hop, ah non, de Dieu. Allez, vas-y, fais ça. Ah, juste un peu de puissance. Allez, on va maintenir des vitesses un peu supérieures, pour qu'on ait un meilleur équilibre, d'accord? Ouais. Et là, c'est pour le fil à radio, tu... Ah non, fais-tu, fais la radio, t'as juste besoin d'appuyer sur le bouton. Rien légèrement. Remets un cran de volet, tu vas être obligé de compenser à piquer. Compense tout de suite. Anticipe. Reste avec ton pied droit léger. Corrige ta trajectoire légèrement à droite. Allez, la radio. Option Zulu numéro 2, trafic voilà. Précédent Sirius en courte finale, rappelez courte finale. Zulu numéro 2, rappel en courte finale. Regarde là ton avion, il est comme ça. Et en fait ta trajectoire elle change. Voilà. Écoute en même temps les bruits, toi t'as vu, t'as le bruit. Et là maintenant t'as même tu développes des sensations. Toute la kinesthésie. Oh, ça va pas trop quand même. De quoi? Pas trop rien. Kinesthésie. Le problème c'est que tu réagis à la vue et à la sensation, regarde, c'est dans le bon sens. Alors là, ça va devenir plus compliqué. Oh putain. Ah bah oui. Alors tu vas prendre un peu de marge, comme ça on verra. Allez, continue à le contrôler. Allez. Ah, bien. Là, t'es prêt? Allez, on enlève de la puissance, on y va. Ouais, non, on enlève 1400 après, et puis après, voilà, on y va en douceur. Allez, ton pied à gauche. Mets ton pied. Voilà. Alors, ok. Laisse-le partir à piquer. Réduis un peu les gaz à ce moment-là. Plutôt que de compenser à piquer, parce qu'il va falloir que tu recompenses. Stabilise avec ton pied droit. Stabilise avec ton pied droit. Voilà. Bouge plus que là, bien appuyé au centre.
Ah, continue, continue. Doucement, regarde ton nez. Réduis encore. Il va partir. Il y a Roméo qui ont contrôlé 180 pour Alpha 3. Attention, ça va partir. Pour Alpha 3, dès que contrôlé, novembre et Roméo avec 180. Voilà. Novembre Zulu numéro 1, un appareil sur la piste. Poursuivez, je vous rappelle. Poursuivez, Novembre Zulu. Sinon, on fera une remise de gaz, ça pose pas de soucis. Si vous poursuivez, je vous rappelle. Poursuis. Énorme 153 Sierra Romeo qui ont dégagé en Alpha 3. Les compos appliqués, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Toujours Sierra Romeo. Alpha 3. C'est dans le sens, hein, t'as vu, c'est gouré de sens. Allez. Donc c'est novembre Zulu, la piste se dégage en Alpha 3, autorisé toucher, piste 16, vent 70 degrés, 4 degrés. Maintien descente, maintien descente. On rappelle en matériel, autorisé toucher, Fox Novembre Zulu. Allez. Et Sierra Romeo, c'est pas dans le parking en herbe. Reviens à piquer encore, encore à piquer. Ce que vous voulez, devant Sierra Romeo. Gentil, hein. Reçu, alors roulez dans vous une heure, il y a déjà trois avions parqués.